Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je sais même pas ce qu'on va faire. Je suis carrément devant l'aéroport de Beauvais. Je suis jamais allé, j'ai pas vu un avion depuis tout à l'heure. Je sais pas si c'est un Conforama ou un aéroport. Bref, en tout cas les gars, je suis totalement en stress. Comment vous expliquer, aujourd'hui je vais aller dans un pays, je ne sais pas où. En fait j'ai rien programmé la vidéo. Juste on m'a dit, on va t'emmener dans un pays, on va te mettre à un endroit, tu vas devoir savoir dans quel pays t'es, et tu te démerdes pour rentrer en France. C'est à dire j'aurai pas d'argent, je sais pas comment je vais faire sur place. Je sais même pas parler anglais, je suis une grosse quiche. Bref, on va voir ce que ça donne. J'espère que la vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu, vous abonner à la chaîne, mettre la cloche de notification. Sur ce, on va partir sans plus tarder. Je vais me bander les yeux, enfin je vais vous expliquer tout le concept, parce que faut pas que je sache où je suis. Donc c'est parti. On aura l'aide de Thomas qui va nous aider. C'est un peu lui là, le mec qui va me la mettre à l'envers aujourd'hui. Et il y a Guillaume, il est là Zach, qui va nous aider à filmer et tout. Et n'aie pas peur hein, pas parce que le vol il est à 10€ que faut avoir peur. Eh gros, en vrai les gars, la compagnie je la connais même pas, mais il m'a dit qu'il y a moyen qu'il y ait des pièces détachées dans l'avion. Ah, bon alors, j'ai une lettre à lire les gars, avant le départ. Bonjour Inox, c'est ici que la galère commence. Tu vas devoir te bander les yeux et te boucher les oreilles pendant une durée de 5 heures. Ah oui, on va loin quand même, 5 heures c'est pas des lol. Arrivé là-bas, tu devras deviner où tu es sans te demander explicitement à des gens, sans te servir de ton téléphone. Ah ouais, ça je savais pas que j'avais pas le droit à mon téléphone, ok. Tu auras le droit d'aller à la rencontre des gens, commander à manger, analyser ce qui t'entoure. D'ici là, bonne méditation. Oh là 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 là. Les gars, j'espère que vous êtes chaud. Moi je suis chaud, à votre avis, où on va aller? De toute façon, je pense que vous allez savoir. Moi quand moi je vais pas savoir. Si vous êtes chaud pour un épisode 2, ou par exemple avec le Mich ou quelqu'un d'autre, moi je vais dans un autre pays, l'autre il va aussi dans un autre pays, et le but c'est celui qui vient le plus rapidement en France. Et je vais pas mettre un max de pouces bleus. Allez, 300 000, je le fais direct. Sur ce, j'espère que ça va vous plaire. Bonne vidéo à tous, let's go, on se bande les yeux, on se met des AirPods, des machins, let's go. Gros, je suis où là? Gros, tu sais qu'il y a une abonnée, elle m'a demandé une photo, je lui ai dit ouais, ah, mais okay, comme ça. Bah c'est bon, on a passé les tests de sécurité là. C'est bon, y'a rien qui a fuité, c'est carré. Eh, les gens ils nous regardent mal. Ils nous regardent mal. Dis-moi c'est qui me regarde mal. Dis-moi c'est qui. Lui là-bas là. Il est où? Eh, parle bien. J'entends plus là, j'entends plus. Vas-y, il est dans le milieu de la porte. Avance. Arrête-toi. Avance. Oh, le clown. C'est bon, moi, tu peux me masquer. Vas-y. Oh, fils de pute. Oh gros, il fait froid. Attends, mais là on est où là? Ah, on monte par dehors. Wesh, ouais, mais attends gros. C'est un avion vraiment Est-ce que c'est un avion vraiment pièce détachée? Attends, vas-y, monte-le. Ça va, il est carré. Il y a beaucoup de gens qui me suivent là? Non, là y'a personne. Ah, on est tout seul? Ouais. Les gars, où on va là? Là les abonnés, vous savez pas encore. Vous le verrez quand il y aura le trajet de l'avion. Y'a les marches, faut pas que je me casse la gueule là. T'es un fils de pute. Mais non, y'en a marre. Voilà. Oh oui, mais payé. T'es où là Thomas? T'es derrière mon cul? Ouais. Mon petit cul là. Petit fiac. Il a cru ma tête, c'était la rampe. Vas-y bébé, c'est juste là, voilà bébé. Ça filme? Ouais, ouais. Ça filme. Là, ici. Eh les gars, j'ai la meilleure place, je suis au hublot. Je suis trop bien. Ça filme là? Ça filme où là? Là? Oh, moi. Vas-y, bon bah les gars, on va décoller et c'est parti. Moi je vais être endormi dans mon masque. J'espère que ça va bien se passer pour moi les gars. Et Guillaume il a l'air enthousiaste en tout cas. Moi j'ai trop chaud du décollage. T'as chaud? Il est en Lego l'avion ou c'est un bon? Il est en Lego. Il est en Lego. Tu veux m'embrasser ou quoi? Tu me parles trop près. Mais t'es où là? Je suis là. Mais où je vais t'embrasser? Eh, ça sent le brûlé là. Eh, ça sent le brûlé. Ça sent vraiment le brûlé là. En vrai hein. Et ça sent le brûlé les gars. Je suis pas serein là. Eh, y'en a rien à foutre, il s'en fout de ouf. Il dort déjà. Je viens de me réveiller, j'ai un truc explosé là. Je sais pas si c'est l'altitude ou quoi, mais j'ai trop mal sa mère. Là j'ai trop mal. Oh sa mère. Les gars, on arrive, je reconnais pas du tout. J'ai pas le droit de regarder dans le hublot, mais j'espère que ça va bien se passer. Oh les gars, je stresse, je sais pas où il m'emmène. On a quand même fait 3 heures de vol. Hein. Guillaume, ouais. Tu penses que je devine en combien de temps on est où? En 10 minutes, moi je parie. En 10 minutes? 10 minutes. À partir du moment où t'as enlevé le bandeau. 10 minutes, j'enlève le bandeau, je sais où on est où. Ouh là, t'as l'indice là. Là, il y avait un trop gros indice. Faut que ah ouais, tu gardes les yeux cachés là. Là, si j'ouvre les yeux, je suis mort. Ouais. T'as montré l'indice? Oui, il est incroyable l'indice. Moi, Sophia. Sophia, vas-y, je fais une photo comme non, ça. C'est ici. C'est où là? Là. Merci beaucoup. De rien Sophia, je suis carrément désolé hein, d'être comme ça. Ah oui. Bonne journée. Merci, bonne elle journée. Elle a snap Sophia ou pas? Elle a 12 ans. Fils. Elle a 12 ans? Oh merde. Oh là là. Il fait chaud.
Oh, il fait chaud, Samir. Pourquoi j'ai pris ma doudoune? Oh, j'ai trop le seum. Bon, bah, les gars, là, on a 2 heures de route. Et après, je pourrais prendre la cam, être avec vous et tout. Mais ouais, faut attendre encore que je puisse enlever le bandeau et tout. Et dès que ça, c'est bon, c'est parti, quoi. Ouais, reste combien de temps, là? Il reste encore 1 heure et demie. Ouais. Wow, c'est trop. Les bonnes nuits, mon ref. Oh, les bonnes nuits, ouais. Salut. Oh, j'entends des cailloux depuis tout à l'heure, il est dans un champ. Aïe. C'est la caméra, ça, mais j'étais en train de... Le poteau, il est en train de rouler dans un champ, l'Arziz. C'est bon, on est arrivé? Oui. Ouais. Oh oui, bébé, on est arrivé. Ça, c'est le vent de la mer. La vie d'homme, c'est le vent de la mer, ça. Eh, il y a du sable. La vie d'homme, c'est la mer. Moi, pour moi, c'est du sable. Tu vas toucher avec tes doigts et mange. Ah, gros. C'est du sable, fils de pute. Un caillou. Oh, Samir, mais t'es sérieux, gros? Mais gros, guide-moi. Et là, la vie d'homme, on est dans une fête foraine. Gros, il y avait la fête des loges à côté de chez moi, hein, si vous marche. Voulez. Attention, voilà, c'est bon, vas-y. Merde, ça redescend. Starf, mais t'es un bâtard. C'est bon, là? Vas-y, là. Où ça? Allez, sur ça, là? Ouais. Ah, je peux enlever? Ouais. Ok, les gars, c'est le moment. Je vais deviner où je suis. Dans l'Europe. C'est parti. Je m'attendais à tout sauf un piano là. Alors attends, j'ai fait 6 heures de route là pour que tu me mettes devant un piano sur la plage. Mais attends, mais on est où, Samir, gros? Et gros, on est où? Inox, te voilà largué. Ta première mission sera de deviner où tu atterris. Quand tu auras deviné, tu pourras récupérer ton téléphone et on te donnera ta deuxième mission. Les gars, j'ai fait 6 heures de route et il y a la mer. C'est pas magnifique, ça? Et tu... J'ai entendu la mer, je sais. Mais je me suis dit ça allait être pas beau, tu vois. Alors là j'ai levé les yeux et là en fait c'est trop joli. C'est juste y a pas de soleil, ouais. Mais je pense que ça aurait été grave stylé. Je peux aller là-bas dehors là, sur la route? Ok, bon les gars, je vais aller sur la route, je vais aller check un truc. Mais wesh, mais attends, mais gros, mais c'est trop d'heures. Attends, mais wesh, mais je suis où, frère? Faut que je trouve une strat pour trouver où je suis. Scuba. On est à Cuba. La vie d'homme, on est à Cuba. J'ai trouvé. Regarde, il écrit Cuba. Non, ouais, c'est pas ça. Cuba, c'est un peu plus de vol, hein. Oh, sa mère. J'ai un indice. Sa mère, là, tu vois. J'ai trouvé un indice de bâtard, les gars. Le problème, c'est que je sais pas c'est quel drapeau. Je sais pas c'est quel pays. Je vais aller voir. Il est rouge, jaune et bleu. Ok, j'ai un indice. J'ai ce drapeau-là. Mais comment maintenant je peux savoir c'est lequel? You know what is the speciality here? C'est quoi? Where are you from? Paris. You speak French? Oui, un peu. Oh, t'es trop forte. Tu comprends là? Oui. Oh là là, je suis trop chaud. Eh, j'ai de la chance quand même. Il fait chaud ici normalement? Oui, très chaud. Et on est dans le sud ou dans le nord? Sud. Sud? Oui. Donc ça, c'est la Méditerranée, ça? Non, Black Sea. C'est la mer Noire, ça? Ah, c'est pas la Méditerranée? C'est pas la Méditerranée? Moi, je pensais que c'était la Méditerranée. C'est la mer Noire? C'est à côté de l'Italie ou pas? Non. Ah, on n'est pas du tout à côté de l'Italie là. À côté de la Grèce, mais pas l'Italie. Oh, la Grèce? La vie d'homme, je suis trop chaud. J'avais dit qu'on était à côté de la Grèce. Bah, merci. Bonne journée. Je suis trop chaud. J'ai gratté masse d'infos là. Putain. Il y a juste une info que j'ai pas pu avoir. C'est son snap. Fait chier, quoi. Ok, donc ça, c'est la mer Noire. Mais elle est pas noire, elle est bleue. Ça, j'étais obligé de la faire. Elle est carrément incroyable. C'est où ça, la mer Noire? Gros, les gars, je sais même pas où c'est la mer Noire. La vie d'homme, sur ma carte de géant, je sais même pas où c'est. Au pire, je demande à quelqu'un une carte d'Europe et je regarde. Putain, comment ça me décoiffe là? On bat les couilles, moi, de toute façon, on est en off. Ok, il y a un groupe de jeunes, je vais leur demander. Hello, you fine? Can I come here? Yes. Yes, ok. You speak French? Comme ça. Ah ouais, mais ça, mais en fait, tout le monde parle français ici. And you have a map. Can you give me a map, but in Google, not with location. What is your name on YouTube? Inox. Oh, thank you, man. You good? Thank you, bro. Allez, les gars, j'ai gagné des abonnés, mon grand. Merci, les gars. Ok, j'ai trouvé une carte. C'est la mer Noire, ça. C'est où on est, là. Soit la Turquie, soit là. Oh là là là. Hey, you joke with me, man. Il y a la Géorgie, il y a la Bulgarie. Oh, la vidéo, j'étais chaud, hein. Il y a la Bulgarie juste à côté, ouais, les gars. Il y a la Roumanie et il y a l'Ukraine. J'ai 5 options. Roumanie. On est en Roumanie? Yeah. Hey, il vient de me le dire. Hey, you spoil. You spoil la vidéo. Hey, il a tout niqué ce matin, il a lu. Thank you, man. You good. Thank. I'm in the Roumanie. My phone. Yeah, thank you, man. Hey. Cheers, bro. Bye. Bye. Thank you. Have a nice day. Bye. Bon, les gars, j'ai trouvé, on est carrément en Roumanie, mon grand. Bon, les gars, on va regarder maintenant le deuxième lettre que je vais recevoir parce que j'ai trouvé le pays.
Donc maintenant, il faut rentrer en France. Donc c'est parti. Bravo, tu sais maintenant où tu es. La prochaine étape pour toi sera de regagner la capitale. Mais d'abord, tu vas devoir la mériter. Ta mission va être de trouver un travail sur place. À toi d'aller proposer tes services aux locaux. Ah oui, donc ça veut dire qu'il faut que je trouve de la maria. Tu vas me dire que cet après-midi, je vais devoir taffer pour rentrer à Paris. Ok les gars, donc si j'ai bien compris la lettre, il faut que je rende des services. Un peu comme j'avais fait dans la vidéo avec Spider-Man là. Faut que je rende des services ici sur place pour pouvoir mériter entre guillemets de rentrer chez moi. Donc c'est pour activer la mission. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir plein de gens dire hey, you want help, I'm from Paris, I want help you, nananana. Fais ça, comme ça je débloque le droit de rentrer à la maison. Donc c'est parti, let's go. Hello, you fine? I make video in France and I'm come here. But I do work for for comment on dit rentrer? Je peux parler français. Tu parles français? Un peu. Un peu? Un peu. Ah ouais, mais ça m'aide bien parce que je suis éclaté en anglais. Il faut. C'est un BG. C'est un BG. What's your name? Manian. Manian, you are BG. Pour rentrer à Paris, il faut que je travaille un peu. Est-ce que vous avez un job à me faire? Non, non. Non, je fais pas le ménage. Non. Ok. Bon bah merci quand même. Là les gars, on commence à rentrer dans le centre. Pouvoir trouver une petite brasserie stylée, avec un peu de chance ça peut passer. Eh hey, le poteau depuis tout à l'heure, t'arrêtes pas de loucher gros. Quand depuis tout à l'heure il fait des meufs, il fait ouf, ouf. Même moi. Bon les gars, j'ai fait tout le tour, il y en a aucun qui m'a accepté. Mais là il y a une petite ruelle, il y a l'air d'avoir un petit truc là-bas. Va aller voir s'il y a un mec qui m'accepte. Hello, you fine? Yes, I'm fine. Thank you. I'm searching work. Yeah, you know if it's possible I help you to do something. I'm free. Free? Yeah, I'm free. I have a mission and I do help someone. I can help you. Oh, je suis trop chaud. Of course, yes. 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 What? What can you do? What can you do for us? I don't know. Clean. I clean. I follow you, man. Let's start with the rooms, maybe. Okay, go. One room. Yeah, I follow you. Non, Zizi m'a dit, j'ai trouvé un taf, baby. J'ai carrément trouvé un taf. You will start to clean here the inside of the. I clean this. Yes. This yes. One and the one room. The other side. Okay. Donc là les gars, je crois que je dois nettoyer. After that we can drink one glass of wine. We drink, yes, you and me? Yes, of course. Ah yes, yes, I like this. I clean this. Yes. Ah ouais, la serpillière et tout. Ça c'est avant, on filme le avant. Et ça les gars, c'est après. C'est clean. Bro, your English is trash. Ok, à partir de maintenant, je me concentre, les gars. Je vous montre que je suis vraiment bilingue. Là, c'est pour amuser la galerie. Là, les gars, je vous le dis, je suis en mode, voilà, je fais pas d'efforts parce que machin. Là, maintenant, je parle comme un vrai bilingue. Regardez. Ok, let's see. Faites pas les choquer. Hey, hein. Je fais trop l'anglais, par contre. Moi. Faites pas les choquer, les gars. Patron, I have finished. Tell let's me check. It's how good. Is your job? Yes, now everything is good. You prove me that you are good to make clean. Now you need to clean the yard here, yes? I do clean this? Okay. It's a new ballet. It's working. New ballet. It's working. New ballet. Great. If you want, you can stay here for all the summer. No, no, it's okay, hein. It's okay, hein, mon poteau. Can I have your glasses? Yes, please. I'm better with. Yeah, I'm better. Yes. Yeah. I have a flow, man. Yeah. I'm look good. Oh la gueule qui est là. Oh la vie d'homme, ses lunettes elles font trop mal. Ouais mais il est myope. On croit le mec de là-haut, tu sais, le mec. Mais je crois que je suis presbyte. Viens là. Vas-y, je balaye. Vas-y monte. Regarde. Musique épique là. Musique épique, Iron. Épique. T'en penses quoi de mon job là? Tu peux mettre 3 coups de balai, il va te dire yes, yes, it's good. Tu penses? Dis en mode c'est fini. Et pour voir ce qu'il te dit. Vas-y, je vais dire c'est fini. It finish. Okay. Can you do okay? Super. Oh, the barbecue. Nice barbecue. Ah ouais, il a cassé le barbecue. Chipolata underground. Il a pété le barbecue. Gros Pepsi. J'ai tenté. J'ai tenté hein. Sous lockdown. Ah ouais, mais c'est carrément lock là. Because you clean it good, I will give you something now. C'est quoi? What is this? Mais c'est des cerises à l'eau de vie. Vas-y, test. Hey, you have water? Yeah, parce que moi je connais. I don't like alcool. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ok, I test. You need to take all. Wow. No, you are crazy, man. Attends, il va te choper. Ah ouais, le frérot, il se fait une vraie. Ah ouais, il se fait un vrai verre. Le poteau, il a du vécu. Oh, frérot, ça se voit, il fait ça tout le temps. Welcome to Vama Veki. Yeah, oh. And you kiss. D'un coup. Ouais, croc, moi il y a un bal direct hein. Non mais non, croc. Mais arrête. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Vas-y goûte, croque-en. Non c'est... Croque-en, non mais...
croque-en. J'ai mis tout dans ma bouche. Mais t'as pas croqué. Non mais même sans croquer, c'est vraiment des. You, hey, you, hey, le poteau, hey, il est mort. Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule, le poteau. Croque-en pour voir. Juste croque pour voir, genre un petit bout. Vas-y. Mec, c'est impossible. Non, c'est impossible. Mon corps, il veut pas. Il veut foutre de ma gueule, là. Il veut foutre de ma gueule. It's very... very strong. Very good. It's healthy. Je te dis, c'est dégueu. C'est que ça a un goût. Mon corps, il peut pas l'avaler. Il crache direct. Ok, let's go to clean the other room. Ok, yes? I follow you. Qui, dans les commentaires, a déjà goûté? C'est dégueu. Mec, c'est incroyable. On se croirait dans un autre pays. Look, this is your lucky number. 8. 8 for today. It's my date of birthday. On s'en bat les couilles. Non, mais on s'en bat les couilles. Allez. You need to clean this room. Why derrière le caleçon, là? Somebody left. Ah ouais. Y'a un PQ là sous l'oreiller et le boudou. Ça s'est mis bien là. Vas-y, bah on va clean hein. Non, non, mais regarde ce qu'il y a. Non, mais filme bien là. Non, non, moi je les vois pas là. Oh, il vient même cacher le couteau. Oh, tu sais que ça pue. De... Hey, gros. Ça pue hein. Oh non, gros. C'est une mise en scène, c'est pas possible. Ah, le poteau il s'est BR. Oh, je dors pas dans le lit. I will come in 5 minutes. Yes, no problem. 10 minutes. It will was clean. Yeah. Non, mais attends, moi en vrai la chambre elle me dérange pas. Mais gros, c'est ça pue en plus. C'est juste le PQ là-bas qui m'inspire vraiment pas confiance. Ils ont changé les draps et tout. Non, mais oui, y'a pas de draps là. Parce que nous on va dormir là, les gars, je crois. Allez, va le m'embêter. Non, ça me dégoûte. Non, ça me dégoûte. Oh, ça... Non, mais est-ce que le chat vous comprenez ce que je ressens là? Je touche pas ça, poteau. Mais gros, poteau, je touche pas ça. Oh, la vie d'homme il s'est pas mouché. Hein. Non, la vie d'homme il s'est pas mouché. Après, on va se contenter de pas prendre de douche. J'espère qu'il s'est mouché. Ah, vas-y, mec, j'arrive pas à m'imaginer ça dans la chambre là. Non, go, là, je peux pas. Ah, mais c'est là la douche, frère. Vraiment. Attends, viens, on va voir. Ah, oui, vraiment, je vais pas me doucher, je crois. Bah, si, ça va, c'est une bonne douche. On va rester sale pendant un jour. En vrai, les gars, moi j'aime bien. Ça fait un peu vraiment, comment dire, ça fait lieu rustique de la région. Bon, ouais, j'ai fait le job là, j'ai nettoyé. Ouais. Bah, la nuit va être cool, hein. J'espère qu'il a laissé un peu de PQ. It's okay? Yeah, I'm so good. I'm good cleaning, man. Oh. No? You need to put the pillow. Je lui ai dit, I told him. What? You need to make all the room. Okay, no problem. The guests are waiting. Come in 5 minutes and I come in. Okay, thank you. Tu fais le lit? Oui, je pense qu'il veut que tu fasses. Mais en vrai, de vrai, enlève le PQ. Hein. Non, non, moi je touche pas. Mec, t'es con. Non, non, t'es un malade, tout. Même sur la couette, il a pissé. Tu voulais dire. Non, c'est trop. C'est trop. Vas-y, moi j'ai envie de pisser. Tu me prends la cam après? Je te tiens? La cam, pas. Ah, la cam, ok. Oh, fais chier, putain, j'étais presque. Bro! Yes! Oh, everything now it's great. Beautiful! Beautiful. Because you clean the room, you can sleep here tonight. Tonight I'm sleeping here? Yes! Yes! Yeah. Nice! Thank you so much. Me, I'm sleep here. It's okay. Okay. We love one place because in the night it take mon gig. So I sleep in here because sinon, voilà, on sait jamais. You understand? No. No, like, no problem. No problem. No problem. It's finished? No, no, now we're going to the beach side. For beach what? Bar. You will help us to clean the beach bar. Ok. Leech. Non, la plage. La plage? Ah ouais, ok. Ah, la plage. Ah, my English, it's not good. Allez, go à la plage, go à la playa. Ok, what we do now? Now we need to arrange a little bit here the beach bar. We need to make something to drink for us. You go in the bar. For you? Nice. I go? Yes. Allez, mon grand. Bon, les gars, je vais faire un cocktail dans un petit bar de plage. What do you want, boss? Cuba Libre. What, Cuba Libre? Cuba Libre. Cuba Libre. Rum? Oui. Coca-Cola. Coca-Cola. With lime. Bon, bah, il va mettre tous les ingrédients, je vais le faire. Hein. Ice. Ok. Ah ouais, là, je me pense vraiment pour un barman. It's good? It's good. Yes. How many? You want a lot? Tell me stop. You need to... Wow. Yeah, yeah, it's okay. Il va être bourré, le poteau, là. It's okay? It's okay. Wait. No. Save the planet. On sauve la planète. Pas de play en plastique. It's good? It's good, yeah. Thank you. No problem. Is it good? It's very good. Tu sais comment qu'ils font les graines de café? Moi, les gars, je sais comment ils font les graines de café. Ils donnent à manger du cacao à un animal et ils chient. Et ça fait du café. Je crois que c'est ça. C'est ça, hein? C'est pas ça? Si, il y a. Non, c'est le café le plus cher du monde. Ils font bouffer par des éléphants. Et l'éléphant, il chie et récupère le café. Ah, bah voilà, bah ils font ça aussi en Malaisie. Ah, oui, bébé, on sert des shots. Ça, je le vois que dans les films. C'est la première fois que je le vois en face de moi. Ah ouais? Domino shot. Là, il va pousser et tout va tomber dans. You? What are you doing? Push. What? T'as vu ce qu'il a fait? What? How you do?
Oh gros, il m'apprend un truc ça. Oh 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 oh, oh sa mère. Gros, c'est incroyable. Oh. Non, oh, non, oh, non, non, même. Non, pas après tout ce que t'as fait. Ça veut dire, mon poteau, comment il va te dégober ça là? Oh, mais lui, il a pas le temps. No time. Thomas, time. Ah non, moi je vais doucement, je m'en bats les couilles. J'ai le time. Bon les gars, il m'a appris à faire des petits cocktails et tout. Là, on va aller à côté de la plage. Regardez-moi cette eau là, c'est magnifique. Oh, elle est belle l'eau. Hein. L'eau, elle est magnifique. Moi, je vais me poser devant la mer comme ça sur un petit transat et ça va profiter quoi. Sur ce, à toutes. Bon, les petits refs. Là, on a fini tous les petits travaux et tout. Là, on va aller dormir. Il commence à se faire nuit, etc. Il est possible que demain matin, on réveille les gars, on soit à Bucarest parce qu'il y a de la route, etc. Comme on a fait les petites missions, etc. On a débloqué le droit d'aller à Bucarest, donc on va se réveiller à Bucarest. On aura une autre mission sur place pour pouvoir débloquer le je rentre à Paris. Donc voilà, on verra ce que c'est. En tout cas, moi, je vous laisse là avec l'eau paisible de la mer. Bonne nuit à tous et on se revoit dans quelques minutes. Bon les gars, on vient d'être déposé dans Bucarest. Il est très tôt du matin là. Maintenant, on va devoir réaliser la dernière mission pour pouvoir rentrer en France. Je pense que ce jeune homme, il a le papier là pour me sortir de là. Ouais. Pas le papier. Non, mais c'est pas partout. Pas comme si, mais il faut rentrer à la casa. Hein. Bonjour Inox. Maintenant, tu es rentré à Bucarest, capitale de la Bulgarie. On a dit tous les dingueries. De la. Attends, de la Roumanie. La capitale Roumanie. De la Roumanie. Il faut que tu mérites de rentrer à Paris. Pour ça, nous te donnons rendez-vous au studio de Global Record à l'adresse suivante. Un beatmaker a besoin de tes services et t'attend là-bas. What? Non, ça par contre c'est incroyable. Faut aller à Strada Putuluma. J'ai rien compris. Faut dégainer le téléphone je crois. À très vite. Faut qu'on trouve nous-mêmes. Ah oui, bah, j'ai mon téléphone les gars là, parce que j'ai trouvé où on est donc j'ai le droit. Vas-y bah les gars, vas-y let's go hein, c'est carré hein. Go aller faire la dernière mission, comme ça on rentre à Paris. On est quand même en Roumanie gros. On va dans un studio d'enregistrement. Donc j'ai envie d'aller voir. C'est pas le même style qu'en France du tout. Ouais mais je pense là ça va être comme en France non? Bah gros on est pas en Roumanie pour que tu fasses la drill hein. Ouais c'est vrai on va pas... Je vais faire la drill. Bon allez les gars c'est parti. Bon les gars, je crois qu'on est devant. Ah oui, regardez, il y a écrit Global Record. Donc c'est bon, on est arrivé. Maintenant, je pense que je vais sonner. Et il y a sûrement un mec qui va venir nous voir et tout. Donc c'est parti, on a juste à attendre. Oui, je vais sonner. Bon les gars, on a sonné. On attend là, on attend qu'il y ait un gars qui arrive. Il y a une sonnette. Là, vas-y, sonne, ressonne. Je sais pas si y a un mec qui vient. Ah oui, un mec. Ah, mais c'est celui d'hier en plus. Ça va ou quoi? Ça va, écoute-toi. Tranquille. Tranquille. Mais en fait, c'est toi qui nous a ramené hier. Ouais, c'est moi qui c'est chez toi ici. Ah, il est là, l'homme mystère. T'es là hier aussi avec nous à la plage. Tu nous as déposé. On est dans le plus gros label de Roumanie qui s'appelle Global Records. Ok. Et là on va aller en studio. Ça a l'air incroyable. Et on va faire une prod ensemble. Oh mec c'est trop bien. Eh les gars il a l'air incroyable le studio. Je sais pas pourquoi mais je sens que c'est une dinguerie. Voilà. Oh. Bienvenue. Wesh. Oh c'est incroyable. Non ça c'est un vrai studio ça. Wesh poto. Wesh comment il est énorme le studio. It's not the lol. Et là on va faire une prod ici là. Et là on va faire une prod ici ensemble. Mec, c'est incroyable. On m'a dit alors, que t'es chaud en drill. Donc le but, c'est qu'on fasse une prod de drill ensemble. Ok. Et ça va être ton ticket de retour pour rentrer à Paris. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on finisse la prod pour que tu puisses me laisser rentrer à Paris. Finisse la prod pour que je puisse te laisser rentrer à Paris. On fait ça? Vas-y mon ref, chaud go, hein. Allez, vas-y, c'est hein. Parti. Les gars, je suis en Roumanie en train de faire une prod. C'est improbable quand même, hein. Faut le dire. Hein. Mais attends, mais hey, tu utilises pas FL Studio toi? Non, j'utilise pas FL Studio. Ah. C'est ton deuxième défi. Ah ouais, voilà, c'est encore plus dur. Ableton. T'es mal à la tête du logiciel. Je comprends rien. Ok, donc comment tu veux que je te mette les trucs, tu veux que je te les mette sur le clavier là? Ah ouais, ouais, vas-y, je fais une mélodie avec ça. Tu peux faire une mélodie avec ça? Ah vas-y. Déjà, le BPM, on va se mettre en 140. La drill 140 BPM. Là, faut trouver un truc dark là. Ça, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal ça. Tu vois? Pas mal. Ça, il est dark celui-là. Fais ça. Vas-y, on fait ça. Après on mettra un autre instrument, on fait juste ça là. Au rec. Ça c'est bon ça, ça marche. Ouais c'est bon ça marche. Est-ce que j'étais dans les temps? Non. On va voir si je suis dans les temps les gars. T'es pas si mal hein. Ah ouais? T'es pas si dégueu. J'ai l'oreille. Mec ça c'est bresson hein. Ouais c'est bresson. C'est noir, c'est noir. Là les gars on va rajouter un piano dark derrière pour que ça fasse comme Freeze Corleone. Du coup les gars on a ajouté le piano un peu dark. Regardez ça rend comment. Ah ça fait vraiment dark hein. Après tu peux faire un ouais. Oh
grave. C'est carré les gars, on valide, on valide. Ce qu'on peut faire, c'est rajouter la basse qui va avec. Oh là là, là les gars c'est la 808. Regarde, t'es chaud là, on a fait un peu ça. Là on fait les Ok, vas-y. Vas-y. On fait les hi-hat. Je pense que pour la drill il faut un truc qui... Ouais. Tu vois, un truc qui tape un peu quoi. C'est pas mal là. Ouais, je pense que c'est pas mal. C'est dingue en vrai les gars. Les gars, là on va faire la 808 et on se revoit après. C'est énervé hein. C'est énervé. Faut juste qu'on retaffe un peu la basse les gars. Mec, je trouve ça énervé. Faut juste retaffer encore. On va ajouter des petits trucs et après je vous montre toute la prod. Hey, y'a un mec qui nous appelle. Alors explique-nous c'est quoi. Alors en fait c'est un pote à moi qui est producteur ici. Ouais. Et qui est aussi joueur de flûte. Ok, et il va nous faire une flûte pour la drill là. Ouais, je pense qu'il a eu une idée. Mais non. Une flûte roumaine. C'est ça, en fait c'est une particularité. Ouais. Et je pense que ça peut être très stylé dans le son qu'on vient de faire. Mec, tu sais que j'ai jamais écouté une flûte roumaine hein. Je pense que les abonnés non plus hein. Tu vas voir. Hello man. This is Inox Tag. This is David Chiente. Nice to meet you. Yeah, enchanté. Enchanté. And I have this motherfucker here. Nice. Ah, il a la flûte là. Nice. On dirait qu'il va le faire. Il va enregistrer la flûte et il va nous l'envoyer dans la voiture. Oh le crack. So it could go like this. Ouais, c'est quoi ce bordel, gros? Attends, je m'attendais à tout sauf ce son. Gros, ça va être lourd. Mais gros, attends, c'est incroyable, gros. Tu vas l'ajouter dans la prod là? Yeah, vas-y. Hey, thank you so much, bro. Nice, I'm glad you like it. Yeah, gros, en vrai, c'est incroyable. Bon, mais les gars, on va l'ajouter dans la prod et on va voir comment ça rend. Yeah. Les gars, le bruit de la flûte. Maintenant, est-ce que ça va aller avec notre instru? On va voir. Ok, les gars, prod finale, c'est parti. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va être incroyable. Oh, elle est énervée. La basse, elle tape. Hein. Et la flûte, là, attends, elle va arriver, là. Mec, la prod est incroyable. Mec, elle est incroyable la prod. Elle est incroyable. Et il a tué ça le poteau. Aïe, il va y avoir la flûte là. Aïe, il y a la flûte là. Mec, la flûte elle est incroyable en vrai. Gros, elle est trop originale. Gros, survalider la prod. Survalidé. Eh les gars, ça part carrément sur une dégustation de sushi. Oh là là, il donne envie. Oh là là, là je viens de donner envie à plus d'un là. Sashimi ton. Oh, le sashimi ton il est incroyable. Oh là là. Ah ouais. Les gars, je vais goûter. Je vais faire tomber un World Cup sushi sur le sol genre. Non, là, je le mange. Oh là, foutre. Oh là là. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Ça les gars, sashimi saumon. Là les gars, oh là 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 là. Les gars, j'ai une question dans les commentaires. Est-ce qu'au Japon, les sushis sont vraiment incroyablement bons? Ou est-ce que c'est une légende? Je survalide ce japonais. Bon bah les gars, je vous mets la prod finale dans l'outro de la vidéo, tu connais. Et du coup là, on a le droit de rentrer à Paris là. C'est bon là, t'as le droit de rentrer à Paris. Là, on rentre là, c'est là, bon. Tu rentres, c'est bon. Bah c'est carré, tu nous ramènes alors. Je ramène en voiture, c'est bon. Ok, c'est carré. Let's go, on va dans l'aéroport, c'est parti. Vous pouvez pas faire ce temps-là hier? Non, faut qu'il fasse ça quand on part quoi. Oh,
Bah les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça a été un plaisir. Et si vous voulez qu'on parte peut-être avec quelqu'un d'autre pour le prochain épisode, mais que par contre, on prenne du temps et en mode, on doit vraiment se débrouiller pour rentrer en France. C'est-à-dire que même si ça doit prendre 3 jours et qu'on doit trouver un métier sur place, ou j'en sais rien, on doit se débrouiller de A à Z. Parce que là, j'ai eu beaucoup d'aide. En vrai, c'est normal, j'ai eu un peu d'aide et tout. Je connaissais pas trop, machin. Donc moi, je voulais juste tester un peu. Et en vrai, j'ai bien aimé le concept. Donc si vous voulez qu'on approfondisse ça, vous me dites dans les commentaires, les gars. Et on va faire ça fort. Et la prochaine fois, on rentrera vraiment avec l'aide de personne. Sur ce, bonne soirée à tous, bonne journée. Vous êtes les boss. Merci de m'avoir regardé la vidéo. On est carrément ensemble. Merci à ceux qui partagent, qui commentent, qui like, qui s'abonnent. Vous êtes les boss. Tchuss.